Mais sinon, t'y étais, ouais. Nickel, on va pouvoir tuer de l'allemand pour changer. Bon, vous entendez le moindre écho, le moindre pépin, vous me prévenez. Normalement, c'est bon. Et OBS s'est même mis à jour du coup. Et la nouvelle interface OBS est dégueulasse. Genre, le mélangeur audio fait 4 fois la taille qu'il faisait avant. Alors, on en est à, je sais pas où on va aller. Décombre d'artillerie, j'ai pas d'obus pour tirer avec. J'ai plus d'obus pour tirer avec. On va essayer peut-être de repasser en dessous. Gollum n'est pas un hobbit, Gollum était un hobbit. Vas-y, c'est Gollum ou Smeagol? Enfin, c'est le même truc, mais c'est quel aspect de sa persona déjà? Smeargle, ouais, c'est ça. C'est quoi en haut à gauche? C'est une porte pour le fort de Souville. Mais si on va là-bas, ça donne rien. C'est un bit qui a un peu changé. Ouais, voilà. Petit réflexe. D'ailleurs, c'est pas sur ce jeu où voilà, je me mets là comme ça. En cas de loot, on voit ce qu'il y a. Bon, et ben on va passer la première demi-heure à chercher ce qu'on doit faire. Le repas de ce soir, ouais, c'est ça. Ce coup-ci, on a une pioche. Oh, attends, je vais prendre un autre truc avant de partir. On a une pioche, on a une clé. Et on a également un coupe-barbelé. Merci beaucoup, hein, pour votre patience pendant ces 44 minutes de galère. Si vous pensez vous mettre au stream, bon, déjà c'est un choix discutable, mais bon, foncez si vous avez envie. Le setup un seul ordi, c'est bien aussi. Vous en tirez peut-être pas autant de puissance sur votre config, mais c'est pas grave. Faites des jeux qui tournent, qui sont un peu moins gourmands. Gollum était bien un hobbit, mais de la branche des fourteaux, des forteaux. Un hobbit des rivières et terrains plats. Ouais, on le voit même dans l'intro du 3, non? Pas de setup miracle, de toute façon, t'as l'impression. Non, mais bon, plus tu multiplies les éléments mobiles et plus tu multiplies les chances d'échec. Faut que je vois si on peut se débarrasser de ces cadavres. Et moi je veux aller. Alors, ça c'est fermé. Ici de mémoire on a un petit jardin. C'est quoi ça déjà? On va y jeter un œil.
Bienvenue ici. Oui. C'est là où on a failli se faire écraser par un boulet. Par ce boulet. Perso, comme je me suis jamais attardé sur le personnage et que je n'ai jamais vraiment apprécié, je me suis jamais trop renseigné sur lui. Ouais, c'est pas le... J'aime bien le personnage, mais bon, c'est pas mon préféré. Y a un nain pour ce rôle-là. Rien là-dedans. Ok. Mais c'est un nain sans poudre. Je serais pas opposé à voir Gimli avec du maquillage, effectivement, ça me ferait un petit peu marrer. Ah tiens, notre pote a disparu. J'avoue ne jamais avoir lu le Seigneur des Anneaux. C'est pas une lecture facile. Et honnêtement, les films suffisent hein, si c'était pas complètement puriste. Alors on a plantation, mais plantation de quoi? La version longue est pas mal. La version longue est très très bonne. Il y a des passages sacrément pénibles dans le livre. Ouais, de la page 1 à la dernière. C'est daté comme écriture. Alors ça, c'est les quatre pièces avec lesquelles on avait tiré. Lui, il est plus trop là. Mais c'est pareil, il n'y a rien ici pour nous. On peut réessayer les quartiers généraux. On peut réessayer cette porte également. Je pense pas que ça va changer, mais bon. Au point où on est. Ma mère m'a dit que l'univers était cool, mais que c'était chiant à lire. Pour Tolkien. J'irai pas jusqu'à chiant, mais... Si t'y vas avec l'impression d'avoir quelque chose aussi agréable que les films, tu vas être déçu. Le but du jeu, c'est de trouver ce qu'il faut faire. Pour sa défense, c'est la première fois où je suis vraiment coincé parce que je sais pas où aller. Et c'est probablement juste ma faute. Mais bon, c'est les anciens Resident Evil et compagnie, quoi.
T'as un petit peu d'énigmes. Là, en l'occurrence, c'est un petit peu d'énigmes tout en se faisant grignoter par les rats. Faut une clé et c'était pas celle-là. Ata quoi? La porte dessus. Cette porte-là, c'est casemate verrouillée également. Tu peux faire exploser le baril. Mais c'est bon pour éliminer des ennemis. C'est fermé, fermé. Il faut une clé qu'on n'a pas. Ici, on avait un loot caché qu'on a eu. Merci Acta. Ok, et ici on est revenu là. Donc, tranchée de ravitaillement, c'est mort. Ici, ligne de front, porte, accès au front, tunnel de ligne de front. Cette zone, on n'y a même plus accès. Ça, c'est foutu. Ça, c'est coincé. Ah, à moins qu'ils aient... Oh, à moins qu'on ait réussi à faire quelque chose. On va aller voir. Mais si c'est comme tout à l'heure, il y a du gaz. Et au pire, on rechargera ça. Regarde, c'est pas grave. Je crois que tout permis, ces bottes. Un petit peu. Ça, on l'a fait. Et là, normalement, il n'y a rien. Ça, c'est pareil. Normalement, c'est bon. Porte verrouillée avec un casque. Porte verrouillée casemate. Casque et casemate, on peut pas s'en occuper. Tranchée de soutien. Je crois qu'on n'a pas la bonne clé. Mais bon, au point où on en est, on va aller jeter un œil. Il faut une clé. Oui. Ça, c'est ma piole à moi. Dans le doute. Je crois que j'en ai plus besoin, mais au point où on en est, on va récupérer cette clé à nous. Trouver. C'était la dernière porte à déverrouiller avec cette clé. Youhou! Bon, la suite. Ramasser la carte des tranchées de soutien. Oui, s'il vous plaît. Carte récupérée. Et donc, tranchées de soutien. On a un beau bordel. Des pots de barbelés. Sans blague. Cigarette. Et c'est là qu'on a besoin de
Du taille barbelé. Cool. La porte est complètement bloquée par du fil barbelé. Hop. Utilisez cisaille. Les barbelés ont été détruits. Ma cisaille également. Ok, donc on n'en aura plus besoin. Le bois a l'air d'être extrêmement fragile là. Bobine de fer barbelé. Yes! Cool. Ça, ça permettra d'empêcher un, de bloquer un spawn adverse. Des caisses remplies de fil barbelé. Fragile les cisailles. Eh, c'est pas mal. Bon, même si j'avais pas saisi avec la clé, j'aime bien l'idée que quand un objet ne te serve plus, il le jette. Prendre un tissu, prendre des munitions de pistolet x10. J'ai quoi d'ailleurs comme arme? J'ai le gourdin, j'ai le... Alors je sais plus, c'est comme ça qu'on charge. J'ai la lampe et j'ai le couteau. Ok. Je suis désolé, Giano. Repose-toi bien. Inventaire plein. Heureusement, on a ça. Kimbo. Tu vas bien. Produit chimique liquide? Ouais. Et munitions de fusil également. Oh. Tissu. On va le laisser là pour l'instant. Trousse de premier secours, on va sûrement l'utiliser. Voyons voir. Est-ce que je pourrais... J'ai des produits chimiques liquides et j'ai des tissus. On va se faire un kit improvisé. C'est pas comme ça qu'on fait? Peut être utilisé pour soigner les blessures bénignes ou combiné pour fabriquer un bandage plus résistant. Ah, c'était peut-être un bandage que j'avais cumulé avec ça. Peut également servir de désinfectant en combinant avec des bandages, c'est ça. Donc il me faut deux tissus. Ouais, bien embêté avec le stream juste avant, sur les premières minutes. Gros pépin d'OBS. Ah bon, c'est quoi, on va prendre un... On va prendre ça. Et voilà, ça nous fait un bandage désinfectant. Il nous reste deux barres de vie, c'est pas énorme. Il y a des bruits rigolos dans l'infirmerie. Ouh, ça c'est pas bon. Grande portion de santé restaurée, infection soignée. C'est vrai que ça soigne aussi les infections, j'aurais pu y penser. Alors j'adore. On en a eu un. Et on a eu le deuxième. Clé de l'infirmerie, oui. Et pièce d'armes. Bandage. Oui, s'il vous plaît.
munitions de fusil. Difficile dans la tranchée étroite. Ouais, bien content d'avoir mon pompe. Les clés de l'infirmerie jetées, ok. Eh hey, poilu! Il fait de nouveau super chaud. Parce que les ordi tournent! Quelle bonne idée, vraiment. L'étagère est remplie de vieux onguents. Il ne semble plus rien avoir d'utile ici. Mince. Information du patient. Simon Georges. Date d'admission le 8 juillet 1916. Date de sortie le 10 juillet. Patient initialement admis en raison d'une fracture de la cheville. On lui a depuis diagnostiqué une névrose paralysante intense. Je suppose que c'est équivalent à une PTSD. Enfin, un shell shock. Un bon de sortie lui a été accordé pour un transfert vers Verdun. Quoi? Ah, t'as une névrose paralysante. Allez hop, Verdun. Le plus simple examen neurologique, y compris des évaluations cognitives et sensorielles, devront être passés. Mais il est mort le gars, hein. C'est pas la peine. Hein. Les draps sont souillés de sang. Qu'est-ce que c'est? Bah sûrement un Machiavel. Qu'est-ce que c'est que ça, pardon? C'est pas les Américains qui utilisent des fusils à pompe dans les tranchées, ça a tellement bien fonctionné que ça a un peu beaucoup fait peur aux Allemands. Il y a une psychose qui est née avec ça, mais je sais, honnêtement, je sais pas à quel point c'est basé sur de la réalité. Ça avait dérouillé la porte. Hé, hey, Toubib, tu t'es occupé du soldat dehors, lequel? Ah, l'Allemand, ouais. Ils étaient deux, d'ailleurs. Je suis venu ici pour voir s'il y avait du monde en vie, mais non. Comment? Un dénommé Pierre? Ah oui, c'est vrai, on cherche notre frère, j'avais oublié. Je n'ai croisé aucun Pierre. Alors qu'il y en a plein dans les champs. Bon, faut que j'y aille. Ok, cool. Elle est partie. Une table d'opération avec une belle scie dessus. Prendre morphine tous les jours, oui. Comment on peut oublier son frère? C'est simple, c'est pas le mien. C'est celui du personnage. Information du patient. Pierre! Ah! Bon, ça va, c'est un... Enfin, Pierre, c'est classique. Admis est sorti le 12 juillet. Admis à l'infirmerie, inconscient, potentiel traumatisme cérébral et blessure au crâne probablement dû à un coup d'arme allemande reçu au combat. Ça, c'est notre frère. Bien que son état initial semblait grave, après 3 heures de repos, le patient était sur pied et désireux de retourner à son poste. La blessure au crâne ne semble montrer aucun signe d'infection, mais les symptômes de traumatisme cérébral sont encore présents. Symptômes, troubles cognitifs, agressivité et vertige. Le patient sera gardé à l'infirmerie pour de plus amples tests jusqu'à disparition de ses symptômes. Si le patient persiste à... On dirait que le rapport du Toubib n'a jamais été fini. Pour notre défense, on cherchait surtout une porte jusqu'à présent. Ouais, alors pas seulement une porte, mais oui. Pierre, c'est un morceau de son écharpe. Il n'est... Pas là. Tan tan tan. Je suis en pleine psychose à cause des problèmes des problèmes techniques de tout à l'heure. Bien joué avec ta. Prendre clé de souville. Oui. Ok, ça je sais où c'est. Oh, j'ai rien fait, vous avez rien vu.
Il y a un rat. Oh, oui, sûrement. Ça doit être un rat. Avant de faire ça. Morphine à usage médical, soigne vos blessures, augmente votre tolérance à la douleur. Une clé permettant d'accéder aux pièces verrouillées au fort de Souville. Alors, le fort en question. Donc, il est là-bas. Et c'est cette porte-là. Ainsi que celle-là. Cool. C'est mou, il fait encore plus sombre qu'avant. Bon, il me reste deux cartouches. Ouais, deux cartouches, c'est pas forcément ce qui est le plus malin. On va prendre le fusil à la place. Quoique, non, 5 et 2. On est bon. J'ai pas compté, c'est tout. On voit pas grand-chose sous la lampe. Ouais. Il y a un cycle jour-nuit. Non, non, c'est pas. Ça se. Ça se passe pas dans le temps, si tu veux. C'est un jeu qui sait ce qu'il veut, c'est pas un open world. Voilà, on va pas chasser le rat au fusil à pompe. Faire une petite sauvegarde. Si ça se trouve, on a assez avancé. Je vais regarder avec le marchand si on peut améliorer notre arme à nouveau. Pas la puissance en tout cas. T'as combien de clopes? 81. La dernière fois, on avait réussi à faire un collier. Et du coup, on avait acheté une extension de sac à dos pour une place de sac à dos. Wouhou! La pelle te manque. Toujours mieux que de manquer la pelle. J'allais m'écrouler, merci pour le live. Bonne nuit Art, repose-toi bien. Désolé pour le temps que le live a pris pour commencer. On continuera ça demain soir, je pense. Vous avez déverrouillé la porte grâce à la clé de Souvi. Seulement, soit il y a un cadavre derrière, soit il y a du gaz. Oui. Non, c'était une grosse amélioration, hein, Kimbo. Je suis content de l'avoir fait, mais bon, ça coûtait cher. Ouf.
Prendre produit chimique liquide. C'est probablement de l'alcool. Poudre à canon. Excellent. Pièce d'armes. Note sur les gaz. Au sujet des gaz, les nouvelles recrues doivent apprendre les différents types de gaz rencontrés au combat. Vertolite, apparence jaune vert pâle, pardon, odeur mélange d'ananas et de poivre. Question tout à fait sérieuse mais un peu idiote. Est-ce que les gens savent ce qu'est un ananas? Genre le français sol, le français moyen en 1916, il sait quel coup ça? Phosgène, apparence incolore, odeur, une odeur de décomposition, semblable à celle du foin frais. Celle-là, par contre, il sait ce que c'est. Effet d'une exposition prolongée au gaz. Léger, toux intense, irritation aiguë, vomissement, irritation des voies respiratoires, essoufflement, nausée, extrême fatigue, rejet jaune provenant des poumons. Eh. Grave, étouffement, cécité, œdème pulmonaire à manifestation tardive. Syndrome fatal peuvent prendre plus de 24 heures pour se manifester. Si l'apparition de cloques survint après l'irritation cutanée, retirez les vêtements contaminés et lavez la zone infectée avec du désinfectant ou un tissu imbibé d'alcool. Ça c'est plutôt cool. Pour l'époque, je pense que oui, sinon les descriptions auraient été un peu différentes. C'est pas dit, hein, c'est pas un jeu histo. C'est un jeu qui a un contexte historique, mais c'est pas un jeu historique. C'est comme Assassin's Creed. On va essayer de combiner ça, tiens. Ah ok, donc deux poudres A, ça fait une poudre B. Tu vois que je fais pas les Resident Evil. Hein. Je suis sûr que c'était évident pour beaucoup, ça. On peut créer de la poudre C. Ou on peut faire des munitions de fusil. Intéressant. Deux poudres B font une C, exactement. Cigarette. C'est quoi la différence de poudre? C'est juste des recettes de craft. C'est pas trop mal pour créer un système de valeur où effectivement les balles de pistolet vont coûter moins cher à faire que le fusil. Et je suppose que type C, ça va être fusil à pompe, du coup. Il y a un trou dans le sol, merci Sherlock. Sauter dedans, toujours. Demandez à Boba Fett. Ça c'est gentil de mettre une batterie de torche ici. Heureusement qu'il n'y a pas de durabilité dans les armes à feu. Ouais, effectivement. Ah, on est nouveau dans Amnesia. Oh la vache. A, B, C, D. Oui? Oui. Il est où mon carnet? Ok, j'ai le carnet. Il est où le stylo maintenant? Bon, c'est pas grave, celui-là fera l'affaire. A comme arme de poing, B comme balle de fusil et C comme cartouche. Peut-être un truc comme ça, ouais. J'aime beaucoup.
Oh, la pêche. Terre plein, sérieusement? L'envahisseur ne peut pas traverser une porte, parfait. C'est un bon équilibre. Le fait de pouvoir reset, je trouve que c'est un bon équilibre de gameplay entre le. Si tu veux, avec le fait que l'ennemi est carrément craqué, quoi. On a tenté de cultiver l'ananas en France dès 1702 et on a pu maîtriser complètement la pousse en plein air en toute saison à partir des années 1970. Mais est-ce que l'ananas était disponible pour les familles les moins aisées? Ou pour on va dire la classe moyenne, même si elle est, je suis pas sûr que la classe moyenne existe à l'époque, mais pour les revenus les plus classiques, on va dire. Voilà, j'ai de la place dans mon inventaire maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on va looter? Se cacher ici. Cigarette. Oh, ça c'est bien. Ok. On est où? Trémie supérieure. Porte verrouillée de l'autre côté. Parfait. Prendre grenade. Yes! On va pouvoir tuer des rats. Ou plutôt, on va pouvoir éliminer un spawn de rats. Si je me trompe pas. Pas besoin, ça pas besoin, ça pas besoin. J'avais un truc là, c'était quoi déjà? Sûrement un truc dont j'ai plus besoin. Faudra canoncer. Combiné avec du produit chimique liquide pour fabriquer des cartouches de fusil à pompe. Yes!
Grenade, non, avant la grenade. J'avais un item dans l'inventaire ici. J'avais ces quatre places-là et puis celle-là. J'aurais pas dû consommer mon produit chimique tout à l'heure. Mais c'est pas grave, j'en ai ici. Wouhou! Ça fait 3 cartouches seulement. Oh. Ah bah c'était les munitions de fusil, c'est bon. Mais évite quand même de tirer à tout va. Oui, oui, t'inquiète pas. On a 95 cigarettes. Il nous en faudrait 200. Je voudrais acheter l'obus. On peut en avoir deux sur nous. Le fusil est entre de bonnes mains, bien sûr. De toute façon, je vois pas beaucoup de volontaires pour l'utiliser autour de moi. Au fond. Ils sont simplement morts ou des ennemis, exactement. Et je partage pas avec l'ennemi. La porte est brûlante ou touchée. Un feu semble faire rage de l'autre côté. Par là donc, exactement. Alors ça gaz. Mission de pistolet x4. Ah c'est vrai que j'ai encore des munitions à récupérer tout à l'heure. Ça c'est fourbe, punaise. Je m'adresse qu'il soit un, pas deux. L'ennemi est sournois. Et l'ennemi te voit de plus loin que toi, tu peux le voir. Allez, viens là, toi.
C'est bon. Leur uniforme est plus sombre. Je sais pas si c'est pas juste. Il m'a fait mal avec ces conneries. Je sais pas si c'est pas juste le manque d'éclairage. Mais bon, de toute façon, c'est clairement pas juste. C'est clairement pas juste un soldat dans une guerre, enfin dans la guerre classique ou quelque chose. On a des thèmes de jeux d'horreur depuis le début, ça va sûrement se terminer comme ça aussi. Il n'y avait rien là-dedans. Il n'y avait rien là-dedans non plus. Eh oh! Bah, le loot, c'est pas gratuit. Hein. Je vais juste aller voir ce qu'on a ouvert. Un zombie. Ah, mais on est là! Oh, cool! Et pour le feu, on a la pompe et il nous faudra la roue. La manivelle. Il y a un petit trou dans le mur. Vous entendez le clignement caractéristique de dizaines de rats. Une grenade devrait leur régler leur compte. Oh, oups. Voilà, bon, j'espère que j'ai pas gâché ma grenade. Et que les rats auraient été un vrai problème ici, mais bon. C'est déjà ça. Gaz. Je pense pas qu'on aura le choix et qu'il faudra qu'on affronte le gaz. Mais tant que je peux le retarder, je le fais. Le oups, c'était pas très convaincant. Ouais, je suis pas un super acteur. La salle de loot. C'est discutable. Trois cigarettes, wouh! Ouais, c'est du feu. On va balancer un seau d'eau et ça va suffire. Bobine de fil barbelé, fois une. C'est un petit trésor. Bon alors, du coup. J'avais même pas vu tout ça. Ah non, j'ai plus de place. Cool. Va falloir tuer des vilains.
Attends, ça, je suis passé ici. Je suis passé de l'autre côté. La map globale est immense. Le jeu est grand, ouais. T'as une bonne surface d'amusement. Non, c'est vraiment top pour le moment. Même si, encore... Oups. Encore une fois, c'est pas mon type de jeu, mais il est vraiment cool. Il saigne abondamment du ventre, il a peu de chances de s'en sortir. Prendre un masque à gaz? Oui, inventaire plein. Merde. Jeter, yes. Ah Pierre, merde. Ah mais attends, il est sérieux. Genre prendre le masque à gaz, mais tu t'en équipes pas automatiquement. Oups. J'adore le fait que ça limite ton champ de vision. N'empêche que j'ai plus de place. Donc le mieux... Non, le mieux, c'est qu'il n'y a pas le choix, il faut qu'on avance de toute façon. Oula, oula, oula. Ouh, ah, je suis coincé. Fais gaffe, t'es empoisonné. Ouais, j'ai vu que je suis empoisonné, mais de toute façon, je peux rien y faire pour le moment. Si ce n'est ne pas prendre de coups. Hans? Comme tir. Ah, je l'avais pas vu lui. Bon bah j'arrive. On va reprendre où du coup? Alors après que je sois empoisonné, nickel. Ouh. Dans mon inventaire, retirer. Mais sanitaire ! Non, il n'y a plus besoin. Il est raid raid. Ouais, je l'ai raté. C'est bon. J'allais pas le laisser souffrir, c'est moi qui ai raté le tir. Prendre bandage. Utiliser bandage. Merci. La porte refuse de bouger. Le mécanisme de ce verrou est extrêmement basique. Peut-être qu'un crochet pourrait faire l'affaire. J'ai pas de crochet.
Elles sont cool les roulades. Hein. J'imagine bien le poilu moyen faire des roulades.